Cette vidéo concerne Stewart Lee Udall. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Stewart Lee Udall naît le date de naissance 31 janvier 1920 à Saint-Jean, Arizona et mort le date de 20 mars 2010 à Santa Fe, Nouveau-Mexique. Santa Fe, Nouveau-Mexique est une personnalité politique comme politique et avocat métier, avocat États-Unis américain. Membre du Parti démocrate, États-Unis Parti démocrate, il était chambre des représentants des États-Unis, représentant de l'Arizona entre 1955 et 1961, puis secrétaire à l'intérieur des États-Unis, secrétaire à l'intérieur entre 1961 et 1969 dans la présidence de John F. Kennedy, administration du président John F. Kennedy, et dans présidence de Lyndon B. Johnson, celle de son successeur Lyndon B. Johnson. Biographie. Stewart Lee Udall est né à Saint-Jean, dans l'Arizona. Son père était Levi Stewart Udall, juge de la Cour suprême de l'Arizona. Il était le père de Tom Udall et l'oncle de Mark Udall. Durant la Seconde Guerre mondiale, il sert comme artilleur au sein de la USAF 15e division de l'United States Air Force jusqu'en 1944. Il obtient en 1948 son Bachelor of Law à l'Université d'Arizona et est admis au barreau d'Arizona. Il exerce à Tucson avec son frère Mo Udall Jr., qui est élu en 1954 à la Chambre des représentants des États-Unis comme parti démocrate, États-Unis démocrate, et est réélu trois fois. John Fitzgerald Kennedy le nomme secrétaire à l'intérieur des États-Unis en date décembre 1960. Il meurt le date de 20 mars 2010 dans sa maison de Santa Fe, Nouveau-Mexique, Santa Fe, à l'âge de 90 ans. Notes et références, voir aussi article connexe, liste des représentants de l'Arizona, lien externe, autorité en première santé, org académique, American President Kennedy, essai cabinet 92, biographie de